Gobier est en finale. Ce sera pas mal, un choc, Saint-Rita, Kobli. La belle histoire qui continue de s'écrire pour Kobli. Et c'est parti pour cette première période de cette demi-finale entre Saint-Rita et Huerta. Belle accélération. Si ça encaisse, l'entraîneur adverse pourrait bien nous dire que parce que le drapeau en est, ces joueurs ont été de jouer. Ah non, on leur dit, l'arbitre central est le maître du terrain. Tant que l'arbitre central n'a pas sifflé, vous continuez de jouer. Donc, c'est parti. Très bonne passe. Mais quel bout de la gardienne. Quel bout. Exactement comme le but de Adèle. De Kobli face à Doku. On dirait que c'est la matinée des buts depuis le rond central. Mais c'est une copie conforme certifiée même, j'ai envie de dire. Mais cette fois-ci, mais c'est encore plus écarlate quand on voit la puissance de cette frappe, la trajectoire. Et on va le voir au ralenti, malheureusement. C'est pour elle, hein, c'est pour la gardienne. Oui, la grosse faute. Elle a mal apprécié la trajectoire du ballon. Elle sortait même pas qu'elle sautait ça tranquillement. Tranquille. Le fait d'avoir fait 2-3 pas en avant. Regardez. La lourde frappe de Bancoli. Elle a mal apprécié la trajectoire. Regardez. Ouais. Elle restait tranquille dans ses buts. La frappe aussi est limpide. Hein. Elle est limpide, elle est sèche, elle est pure. Il y a tout dans cette frappe. Il y a de la volonté, de la détermination, de la puissance, de la précision. Je pense que c'est une copie parfaite. D'accord. Essaye de survivre. Et ça doit faire l'égalisation normalement. La balle de l'égalisation. Un but partout. À deux buts de la fin. Et tout est à refaire pour Huerta. Très très beau but de Dorego Rukayat. Qui remet les points du Lalar. Et ramène. Saint-Rita en vie. Saint-Rita était sous assistance respiratoire. Saint-Rita est de retour en vie. C'est au tour. Le coach du Saint-Rita Hospice ne sait plus où tenir de la tête. Il est debout, c'est tantôt compliqué. Debout, tantôt assis, tantôt fléchi. Il ne sait plus où est-ce qu'il va rester dans sa zone technique. C'est compliqué pour Angelo. C'est Dancy Estelle. C'est tiré, c'est marqué pour Dancy Estelle. C'est chaud, 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 chaud. C'est parti pour la série Côte d'Ivoire Ghana. 92 on dirait. Hospice ? Oui. Je suis avec le coach du Saint-Rita. On va tenter de lui arracher quelques mots. Alors coach, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que le cœur il est en place? Ou ça bat la chamade là? Le cœur va à la chamade, ça, le cœur n'est pas en place, du tout pas en place. Il est vrai que c'est une équipe sœur. Le Saint-Rita, c'est une équipe sœur. On a préparé le championnat ensemble. Donc on se connaît très bien. Les deux équipes se connaissent très bien. Et bon, voilà, on est à l'épreuve de tir au but. Tout la meilleure formation gagne. Merci, écoute. Allez, on va suivre le tir de Hodanou Nadirat. Le duel face à Tété. Et c'est manqué pour Nadirat qui envoie ici Saint-Rita en finale. On aura bien sûr le choc entre le tenant du titre, le Sergio Saint-Rita, et bien sûr Kobli. Le duel souhaité, voulu par Herman Rodríguez Amégan, aura bien lieu entre Kobli et Saint-Rita. Et on va à la main courante pour prendre, bien sûr, le coach vainqueur qui était il y a quelques instants au micro de Rodríguez Herman Amégan. Il s'agit bien sûr de Angelo, le coach de cette équipe de Saint-Rita. Une série
interminable. Et au bout du bout, c'est bien sûr Tété qui a permis à cette équipe de Saint-Rita de se qualifier pour la finale, pour défendre son titre remporté à Abomey.